Réguliers et performants, les maîtres mots du début de saison réussis par Romain Wattel en 2014. L'Héroleté, désormais basé à Dubaï, n'a pas hésité à hypothéquer ses chances la saison dernière pour corriger en profondeur son swing avec son coach Olivier Léglise, un choix dicté par l'ambition du champion du monde amateur 2010 avec la France. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que c'est une saison entre guillemets quand on a 22 ans? Le but, c'est pas d'être bon à 22 ans, c'est d'être vraiment au top niveau mondial vers 27, 28 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis dit, allez, on prend son mal en patience et on travaille. Sa préparation hivernale dans les Émirats n'a pas été de tout repos, mais le Français commence à se faire à cette nouvelle vie. C'est vraiment une ville assez cosmopolitaine, avec pas mal de communautés différentes, pas mal de Français aussi, mais bon, beaucoup d'Anglais dans l'ensemble. C'est vraiment une ville idéale pour moi, pour m'entraîner en tout cas. C'est à la fois pas très loin de tous les continents, on n'est pas trop loin de l'Afrique du Sud, on n'est pas trop loin de l'Asie, pas trop loin de l'Europe. Donc c'est un peu à mi-chemin entre tous ces pays-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un climat extraordinaire pour jouer au golf. Il fait 30, plus de 30 degrés en pleine journée, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est des conditions qu'on ne peut pas retrouver en France, en tout cas à l'heure actuelle. Donc Dubaï, c'était un choix presque inévitable, en tout cas si je veux continuer à être performant et pouvoir bien m'entraîner en période hivernale. Et son agent, l'emblématique Chubby Chandler, est satisfait des progrès accomplis par l'espoir français. I think this year he's made big progress. I think he's put a lot of hard work in just recently here in Dubai, and I think that work's paying off, both work on his body and work on his game. Pour lui, il y a aussi une autre explication au bon début de saison de Romain Wattel. I also think that probably Victor de Buisson's made him realize how far he can go in the game, and it's about time he started catching up with Victor. Dans le golf, il a toujours été un petit moteur pour moi et une source de motivation, parce que vu qu'on a quasiment le même âge, et ben, c'est vrai que c'est motivant et c'est stimulant de le voir jouer très très bien. Moi, ça me motive en tout cas, ça me stimule quand je le vois très bien jouer. 20e de la Race to Dubai avec déjà 2 podiums et une 4e place, le joueur formé à Bussy et cette semaine en Afrique du Sud pour tenter de se rapprocher encore un peu plus de sa première victoire.